Bonsoir, la VOD. Alors, on est en train de faire un hook post-generation avec Cookie Cutter dans l'espoir d'avoir un repo où on puisse créer une liste de répertoires à créer, à construire, et que Cookie Cutter le fasse tout seul. Bonjour, Yannick Keona. Ça va? Alors, ça foire dans les grandes largeurs, donc on va voir pourquoi. Ah, c'est Linkoff! Il y a un compte qui est partagé. Je suis dans du cookie cutter, je sais pas si tu connais. C'est hyper bien pour templater des trucs. Tu t'es mis au stream? Ah, alors. C'est Yannick et Ona qui stream ou c'est Linkoff? Ah ouais, je vois, pas mal. Je stream parce que je streamais il y a 7 ans. Hein, je vois. Ouais. Ah d'accord, Linkoff c'est Eni et mon pote c'est Keona. D'accord. Bah écoute, je vais suivre en perso. Voilà. Et ok. Très bien. C'est ton masque sur WoW. Quel serveur WoW? Et Horde ou Alliance? C'est une question importante ça. Bah écoute. De rien. Alors. Subtemplate names, il dit qu'il n'a pas d'attribut. Oui, parce que c'est défini ici, le subtemplate names. Donc Cookie Cutter, il devrait le prendre par l'arborescence. Top 30 world pendant 10, Equinox sur Archimonde, Millennium, etc. Ah, d'accord. Mais Alliance ou Horde? Pendant 10 ans, d'accord. Ah, Horde, c'est bien. Mais moi. J'ai un Tauren Paladin sur le serveur le plus récent là, Kazmodan, je crois. Voilà. Ouais. Avec mes frangins sur Kazmodan. Bon, revenons à nos moutons. Alors, Donc normalement, le subtemplate name, il devrait être déclaré parce qu'il y a l'arborescence qui fait que quand on le déclare ici, ça devrait être déclaré partout. Mais là, ça marche pas. Alors pourquoi ça marche pas? Mais pourquoi ça marche pas? Cookie cutter, repo name, cookie cutter, subtemplate names. T'en fais plus le temps, et puis je peux pas faire du casu maintenant, les gens me rendent fou. Ouais, bah écoute, moi je suis plutôt casu, hein, faut pas non plus. Et c'est vrai que c'est parfois compliqué. Alors, bon, déjà, les commentaires servent plus à rien. Hop. Donc c'est à quel niveau qu'il n'y a plus le subtemplate names? Ah, tu perds patience. Ah, t'as pas le même niveau d'exigence, du coup tu perds patience. Ah. Bah écoute. Mais aussi la façon de jouer a changé beaucoup, hein. Moi je jouais à l'époque, c'était Burning Crusade et un peu Lich King. Donc ça commence à dater un peu. Bon, c'est pas le sujet du stream, hein.
Alors, subtemplate name, il trouve pas cookie cutter subtemplate names. C'est ça, on est des vieux. C'était mieux avant. Alors. Bon. Donc, on va peut-être devoir revenir à la config et à l'appel de la config. Ça, c'est... pas ce que je voulais. Ou alors... il faut le déclarer ici et il override après coup. C'est possible. Cookie cutter. On va le déclarer ici. Le mettre vide. Et hop. Pour voir ta tête, écoute, tu streams à quelle heure? Si je passe pour voir ta tête. Mais oui, sinon oui. Alors, subtemplate names, on le met à vide, juste pour le déclarer, et puis on va prendre notre truc. Alors, index out of range. Ah. 20h30, 23h30, tous les soirs habituellement. Ok. Alors, tous les soirs, je te garantis pas, mais ok. Alors, c'est effectivement, c'est une double arborescence, parce que le premier, c'est le choix. Et nous, ce qu'on veut pas, c'est, on veut pas un choix, on veut une liste. C'est assez petite subtilité de cookie cutter. Donc, ce qu'on fait, c'est on déclare notre choix. On va répéter le nom de la clé, on va pas... Ben écoute, oui, je vais voir, j'essaie de venir. Après, Apex et Rainbow Six, c'est pas tellement ma came de jeu, mais je vais venir quand même. Hop. User, ok. Et dedans, on va déclarer notre liste. Ici. Voilà. Et au début, on la met vide. On la met vide. StarCraft 2 ? Ok. Très bien. Ouais, je suis aussi un vieux de la vieille. Je joue à StarCraft tout court. Vos trois jeux habituels, ok. C'était... je joue à StarCraft tout court et... bon, j'étais nul, hein. Et puis là, j'ai voulu reprendre avec l'émulateur que Blizzard a mis en place. Oh, c'est chaud. Alors... donc, là, on a un souci qui est normal, qui est dû au fait que, du coup, dans le postgen, il faut déclarer subtemplate names. De petite subtilité de cookie cutter. Alors, on se rapproche, hein. Alors, ça doit être des integer. Ok. Ici, subtemplate name. Il veut des integer. Ah oui, je vois. Je vois le truc. Alors. Mais merci, bon cookie cutter. Je voulais faire la blague pendant tout le stream de couper des cookies, mais j'en ai pas, donc j'ai renoncé à ça. Alors. Donc si on reprend la façon dont on fait ici. C'est ça, voilà, je vais expliquer. Alors, dans notre overrider, il faut écrire avec la
syntaxe correcte spécifique à ce comportement bizarre de cookie cutter qui veut que quand on déclare une liste au premier niveau, c'est proposé comme un choix. Donc si on veut juste, ben écoute, de rien, Yeni. Lenny. Donc, si on déclare une liste au premier niveau, Cookie Cutter prend ça pour un choix. Et donc, si on veut déclarer une liste que Cookie Cutter récupère et ensuite process, il faut la déclarer au deuxième niveau. C'est pour ça que je fais cette espèce de double clé, subtemplate names, et ensuite subtemplate names à nouveau. C'est compliqué de dire subtemplate. Voilà. Et donc, maintenant que ça s'est fait, je vais pouvoir déclarer ma vraie liste dedans. Voilà. Et du coup, je vais pouvoir enlever ça. Alors, on n'est pas loin. Hein. C'est toujours des problèmes d'indices et d'intégrer. D'accord. Donc, c'est pas du tout ce que j'ai dit, en fait. Bon. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui lui plaît pas? Parce que si on regarde ce que j'ai fait pour le README. Pour le README... J'ai fait des listes comme ça. Je vais y arriver, voilà. Par exemple, user et repo spec, c'est donc des listes dans... Ah, mais c'est l'inverse, en fait. Attends. Non, non, c'est ça. Donc, on va comparer juste... je vais indenter de la même façon pour que ce soit plus facile à lire. Donc si on compare les deux, on a une liste ici qui est dans une clé d'une autre liste. On a la même chose ici. Alors, celui-là, il marche, hein. Et il nous fait un README tout beau, tout joli. Et donc, j'aimerais savoir... Je vais regarder les templates qui fait les README. Ah oui, c'est... Hop, hop, README. Comment ça fonctionne dedans? Ah, ah, c'est ça. En fait, il faut que je répète la clé. Donc dans mon post-gen, ici, subtemplate names, il faut qu'ici j'écrive subtemplate names.name. Je pense que c'est ça. Eh mais non, mais même pas en fait. C'est juste ça. Suis-je bête? C'est juste ça. Bah oui. On va tenter. Alors, copaint directory already exist. Oui, ça, on sait. Ok. Alors, déjà, première chose, j'aimerais que... Ah ouais, c'est moche. Ah, c'est pas ce que je veux. D'accord. Ça prend pas du tout ce que j'ai pris en compte. Ok. Bon, bah, va y avoir un peu plus de boulot. Donc le subtemplate name, il n'est pas converti, il fait n'importe quoi. Pourquoi?
Et cette valeur de ce template name là. Je vais faire un print. Il va me chercher quoi? Hop, voilà. D'accord. Effectivement, il me prend n'importe quoi comme valeur. Alors, je vais regarder le point name maintenant. On va y arriver. Ah. On les a vu passer ou pas? Ah, t'y crois? Merci. On va y arriver, on va y arriver. Alors, as no attribute name. Mais si, ici, ils sont déclarés. Mais il les prend d'où? Il a quelle tronche? Ça a quelle tronche? Parce que si ça se trouve, c'est un autre problème, c'est que le cookie cutter qui est ici, il remplace pas. Ça serait bizarre. Ou alors c'est un truc que j'ai pas compris dans la façon de faire de cookie cutter, peut-être. Ouais, il y a un souci là. On va prendre cookie cutter total et on va voir ce qu'il affiche. Donc, copy without render, en cible subtemplate, subtemplate names, vide. Ah, j'ai une syntaxe invalide. S'il n'aime pas les syntaxes invalides. C'est peut-être ça qui fait tout foirer. C'est pas du Jinja, c'est du JSON. Int. Là, il est bon. Et il est bon aussi, donc c'est pas ça. Il y a quelque chose qui m'aurait échappé. Je croyais qu'on pouvait override l'un par l'autre. Non? On m'aurait menti? Et si on peut pas, à quoi ça sert alors? On va faire une expérience. On va mettre ici cookie cutter repo name furlululu. Repo name turlu tutu. C'est un nom technique, hein. Vous pouvez pas comprendre. Et on va voir ce que ça va nous donner. Repo name copaint. Ouais, donc on a un problème d'override. T'es perdu en effet, trop technique. Donc, ouais, pour résumer, là j'ai un cookie cutter avec un certain nombre de variables. Et là j'en ai un autre avec un certain nombre de variables. Et je pensais jusqu'à présent que celui de gauche se mergeait avec celui de droite. Et c'est pas le cas. Donc. Il faut que je regarde la doc de cookie cutter parce qu'il y a peut-être un truc qui m'échappe. Attends, déjà, je vais faire avec un autre, avec main. Et voir si quand je fais avec main, le readme, il écrit sur le tutu. Il n'y a pas de readme?
Alors, avec main, normalement, il ne devrait pas y avoir tous ces soucis. Parce que main, il est simple. Donc, c'est un readme. Voilà, générer, hop. Et qu'est-ce qu'il y a comme valeur de readme? Copaint. Donc, il y a effectivement un truc que j'ai pas compris dans la façon d'override. CookieCutter.json override. Il y a un truc qui explique la hiérarchie, lequel est pris en premier, à quel niveau. Avec un point peut-être? Ah, ça serait ça. Il faudrait lui mettre un point devant. On va tenter. Non, c'est toujours copaint. Alors... Il y a un truc qui m'échappe là. Je croyais que si on mettait un cookie cutter dans son dossier ça, et qu'on mettait des valeurs dedans, c'était ces valeurs-là qui étaient prises en compte. Donc c'est quoi la précédence? Alors, je vais regarder la doc de cookiecutter.json. Je vais m'expliquer comment que ça marche. Alors, .json, voilà. Ok, et comment l'override? Ben à toutes, Lenny. Bon appétit. Merci, ouais, bonne chance, merci. Ouais. Non, mais je suis plus très loin. C'est juste que je sais pas pourquoi mon cookie cutter JSON ne veut pas s'override. C'est que... D'accord. J'ai compris. En fait, un cookie cutter, il prend les valeurs qu'on lui donne si on les rentre avec un prompt. Sinon, il prend les valeurs par défaut. Et donc, pour faire ça, il faut
lui indiquer une config. Voilà. Cookie cutter RC. Ah mais ça c'est user config. Donc cookie cutter JSON inherit. D'accord, moi je pensais que si on écrivait un cookie cutter.json local, ça prenait, ça remplaçait les valeurs de celui qui était par défaut. Mais c'est pas le cas. Usage. Allez, on va charger le fichier de configuration et voir ce que ça donne. Donc on va ressortir le point cookie cutter et on va le remettre en cookie cutter tout court. Ça c'est pas très comment dire, pas très user friendly ça, enfin ou plutôt automation friendly. Ouais. YML. Ah mais c'est pas du YML, c'est du JSON. Attends. Il me met un défaut en JSON et il voudrait que ça soit du YML pour remplacer. Mais qu'est-ce que c'est que ce Bronx? C'est du YML. D'accord. Bon. Donc il faut le voir, les configs, les cookiecutter.json comme des configs par défaut. Et il faudrait YML config. Oh, c'est pas. D'accord.
D'accord. Default context. C'est là-dedans qu'on va mettre nos clés, value, tableau, tout ça. Donc on va tenter tur lu tutu. Subtemplate names. On va lui mettre une deuxième clé. Subtemplate names. Et là. On va lui mettre une liste. Rôle 1. Rôle 2. Rôle 3. Ok. Erreur subtemplate names. Bon. Voilà. Ah oui, turlututu, c'est bon. Il a été pris en compte. There's no attributes. Template name. Donc je vais essayer de comme ça. On va voir ce que ça donne. C'est fou, hein. Des déclarations en JSON et puis ensuite des overrides en YML. Faut choisir, hein. Complètement. Et on va voir ce que ça donne. Une valide syntaxe.
Alors, Jason n'est pas content de ma syntaxe. Il lui faut des trucs par défaut. Déjà, on va mettre un rôle 1 et un rôle 2, juste pour voir ce que ça fait. Et ensuite, on verra comment on override ça. Valide syntaxe. Pour lui, elle est ok, hein. Name, int cookie cutter, je vais faire un print cookie cutter repo name. Bon, qu'est-ce qui lui va pas? En quoi elle est invalide, ma syntaxe? Je vais reprendre cet exemple là et on va repartir de ça et voir les modifs qu'il y a à faire ici. Donc on veut un subtemplate names on va lui mettre hola te biche on va lui mettre sub. Je fais du cookie cutter. Cookie cutter pour essayer de faire un projet qui puisse automatiquement générer une collection en cible ou alors un monorepo, une spec, etc. Cookie cutter, c'est un outil de templating en Python qui est agnostique, c'est-à-dire qu'avec, tu peux templater du JS, du YML, tout ce que tu veux. Et donc, ça permet de, voilà, de, comme ça d'avoir mon repo général. Et ensuite, je fais une commande cookie cutter et ça génère mon repo avec les fichiers que je veux et tout ça. Et en plus, ça permet de reconverger. C'est-à-dire, je le refais tourner régulièrement. Et donc, tous les trucs qui ont commencé à diverger, hop, j'ai une belle branche qui me dit « Ah, ça, faut modifier. » Voilà. Et donc, je suis là-dessus. Cookie cutter. Et quand j'aurai fait un beau profil, un beau repo cookie cutter, après,
je créerai mes collections en cible et mes profils InSpec avec. Pour avoir des trucs bien propres. Et puis après, donc, je me remettrai sur le codage des collections en cible. J'ai fini le rôle en cible qui génère des conteneurs déjà. Et je vais continuer comme ça. Voilà. Alors, step template name. Là, je vais le donner rôle 1. Apparemment, on met une virgule après quand même. Oh, d'accord. Rôle 2. Ok. Et du coup, on va remplacer avec ça. Mais franchement, je vois aucune différence entre les deux. Bon, à part que j'ai mis sub au lieu de sub template names répété. Donc, je sais pas si ça va marcher. Hein. Donc, ici, je vais mettre sub. Voilà. Et on va retenter. Oula. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Expecting property name enclosed in double quotes. Et c'est fait. C'est enclosed in double quotes. Qu'est-ce qu'il a le truc là? L'inset. Il aime pas les virgules? Et voilà, invalide syntaxe à nouveau. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Parce que main, tu lui sors des trucs. Et il est tout content. Alors que main, son cookie cutter, il a ces trucs-là. Et il est quand même tout content. Et en cible, tu lui sors des choses qui ont la même structure et il gueule. Je ne comprends pas. Ah. Il doit y avoir un truc du genre, il pré-process ce cookie cutter là. Qu'est-ce qui me met dans Turlututu? Non, c'est pas ça. Il n'y a pas de cookie cutter là, donc il ne devrait pas gueuler.
Ah. Peut-être que je mette le name ici. Non. Invalide syntaxe. À ligne 15. Du fichier temporaire qui correspond à celui-là. Donc, on a notre ligne 12. Maintenant, on print le truc et il nous annonce qu'il y a une syntaxe problématique. En fait, ce qui est terrible, c'est qu'il y a un mix. Ils font un mix entre du JSON et du YAML. Et donc ça, c'est instable que ça en peut plus. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que d'un côté, on déclare en JSON, et ensuite, ils veulent le loader comme du YAML, quoi. Et c'est relou. Invalide syntaxe. Oh, aïe, aïe. Bon, c'est le projet le plus généralisable, Cookie Cutter. Mais leur idée de mettre JSON d'un côté et du YAML de l'autre... Est-ce qu'on peut tout mettre en YAML par hasard? Et abandonner JSON. Ben, le problème, c'est que, regarde, je vais faire un... Attends, s'il veut bien. Je vais faire un cookie cutter. Pourquoi il gueule, là? Ah oui, CD, c'est normal. Donc, je vais faire un JSON lint sur le cookie cutter. Là, tu vas voir. Voilà, pour lui, tout va bien. Pour le JSON lint, tout va bien. Et donc, la syntaxe de mon JSON, elle est bonne. Mais c'est le passage entre YAML et JSON, ça doit pas être bon. Et là, regarde, ils disent que pour les trucs simples, c'est bien, mais qu'après, ça complique tout. Et donc là, ça pose des problèmes. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va
l'écrire ici, en espérant que ça marche. Et on va l'effacer ici. Donc, je ne sais pas pourquoi ils se sont embarqués en Python à faire des fichiers de config en JSON. Ça n'a pas de sens. Le langage de config de Python, celui par défaut, c'est YML. JSON, c'est JavaScript. Langage par défaut. Alors, je le mets ici et je vais l'enlever ici. Key error subtemplate names. Et ça va de mal en pire. Alors, qu'est-ce qu'elle a d'erreur, ma clé? On va faire ça comme ça. Voilà. Donc, has no attribute subtemplate names. Ok. Donc ici, donc dans mon PostGen script, il me dit has no attribute subtemplate names. Et il veut même pas charger le cookie cutter pour que je vois à quoi ça ressemble. Serait ce qui aiderait quoi. Je vais mettre ici. Du coup, je comprends pourquoi l'autre il a fait un fichier de config séparé. Et je pense qu'au bout du bout, on va devoir faire ça. Hein. Parce que c'est un Bronx. C'est terrible. Je vais devoir faire un fichier de config séparé juste pour ça. Bon, je vais commenter tout ça. Je vais décommenter après. Je veux juste voir le retour que me donnent mes configs. Mais c'est fou. Mais c'est fou! Bon, la VOD sur cet échec cuisant, la suite au prochain épisode.